Donc bonjour à tous, je suis Ségolène Poureau et je vais vous présenter du coup la vision produit. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été sur des produits en fait qui n'avaient pas de vision typiquement et j'ai pu voir les impacts que ça avait. C'est aussi, cette conférence est pour moi un moyen aussi de vous présenter des outils, un retour d'expérience aussi que j'ai pu avoir puisque bah, parfois j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché. Donc voilà, l'idée c'est de me lancer dans cette conférence sur la vision produit. Je me présente un peu plus en détail, donc j'ai fait un BIE chez ArcelorMittal Flat Carbon Europe au Luxembourg où j'ai découvert en fait la mise en place de Scrum. Puis ensuite, je me suis orientée vers le conseil en tant que product owner chez Binext à Paris. Et maintenant, je suis consultante agile et lean, c'est-à-dire que j'accompagne maintenant des organisations et des équipes vers leur apprentissage de l'agilité. Il faut savoir que la vision produit, c'est un sujet qui est vieux comme le monde, en fait, parce que comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc typiquement, le fait de ne pas savoir où on va, c'est le meilleur moyen de se tromper, c'est le meilleur moyen de ne pas savoir à un moment donné saisir des opportunités, de ne pas identifier des menaces, et surtout de ne pas viser un bon marché, donc de louper ce qu'on appelle le market fit. Donc si vous avez des questions, il y a une partie questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à noter au fur et à mesure si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais plus récemment, c'est Ken Schwaber, donc un des auteurs de Scrum qui nous dit qu'en fait que pour commencer un produit, il nous faut au moins une vision, une backlog. Et c'est là-dessus en fait que j'aimerais vraiment insister lors de cette conférence. Alors le programme aujourd'hui, il est composé d'un constat, mais je vais aller assez vite sur la partie constat puisque c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une vision produit, à quoi ça sert, quels sont les impacts d'une vision produit. Commencez par le pourquoi. Alors je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek. Il y en a qui connaissent Simon Sinek. Donc voilà, je vais vous faire une petite référence à Simon Sinek et c'est assez intéressant parce que c'est ce qui nous permet en fait de construire une vision produit en démarrant par le pourquoi. Donc l'idée ensuite c'est de pouvoir construire sa vision produit avec l'analyse du contexte, l'analyse des enjeux de l'entreprise et typiquement donc un certain nombre d'éléments que je vais vous présenter via des templates. Donc je vous rassure, je ne suis pas une alatola des templates, c'est juste que je trouve que c'est de bons moyens de pouvoir avoir des idées et savoir de quoi on va parler. En soi, je vais parler ensuite des qualités de la vision d'une produit. Donc les qualités en soi, il y en a donc une petite dizaine. Je les aborderai au fur et à mesure. Et ensuite, la boîte à outils. Donc ceux qui sont habitués en fait, à utiliser le Lean Canvas, la Context Map, les Product Vision Board Extended de Romain Picheur, ce genre de choses du coup que je vais aborder avec vous et ensuite je vous ferai un petit rex parce que j'ai eu beau essayer tout ça, ça n'a pas marché, donc du coup j'ai dû trouver autre chose. Donc pour remettre un petit peu de contexte, la vision produit c'est dans l'univers du product management qui est à la croisée de l'UX, de la tech et du business. Donc quand on parle de vision produit, on est un peu plus typé sur la partie business qui impactera bien sûr la partie tech et UX. Et il faut savoir effectivement que c'est sous le rôle du product owner. Donc là, je suis dans un cadre Scrum classique. Je ne parle pas d'agilité à l'échelle. Je ne suis pas dans du Scrum of Scrum ou de Safe ou autre framework où il y a des product managers, etc. Enfin, donc, du coup, on a une organisation un peu différente. Donc je suis vraiment dans un contexte Scrum classique. L'idée, c'est effectivement que le product owner est responsable de la vision produit. Il la détient et malgré le fait qu'au final, il a pas mal d'autres activités telles que la priorisation, telles que le fait de pouvoir dire non aux parties prenantes, ça a un lien avec la vision produit. C'est-à-dire qu'en fonction de la vision produit qu'il aura définie en amont, ça va impacter sa priorisation, ça va impacter le fait qu'il dise non à certaines parties prenantes en fonction des idées qui auraient pu être émergées au cours des ateliers, etc. Mais le but du jeu, là, c'est pas de vous faire une définition du poste du rôle du product owner, c'était juste pour vous resituer un petit peu le contexte. Excusez-moi. Voilà. Hop. Faut savoir du coup que la vision produit, ça impacte à la fois la stratégie globale de votre produit, mais aussi la partie tactique. Donc, qu'est-ce que j'entends par la stratégie? C'est en fait le chemin que vous allez prendre pour atteindre votre vision, donc votre objectif global. Vous allez aussi avoir, en fonction de cette stratégie, un certain nombre de tactiques, donc des objectifs à plus court terme, par exemple la priorisation ou des éléments que vous allez faire en tant que product owner au quotidien, enfin, ou que va faire le product owner au quotidien si vous n'êtes pas product owner. Et effectivement, c'est l'idée de pouvoir avoir une vision au final
qui sera donc clair et surtout qui va nous permettre d'avoir un objectif. La vision produit, c'est en gros, c'est là où vous voulez aller, c'est l'ambition que vous vous donnez, c'est ce que le produit devrait et pourrait faire une fois qu'il sera achevé. C'est typiquement toute la valeur qu'il devra apporter aux utilisateurs lorsque vous serez arrivé au bout de son cycle de vie. C'est aussi un cap, une direction à fixer. La vision produit, c'est censé aussi pouvoir inspirer. Donc d'une part, un peu ce qu'on a vu chez Apple, on a vu que ça inspirait beaucoup les clients, etc. Mais ça inspire beaucoup aussi les parties prenantes en interne. Donc très bien aussi les équipes. Il faut savoir que la partie inspiration est quelque chose de très subjectif. Mais en gros, c'est parce que ça fait écho à quelque chose en nous. Ça fait écho à nos valeurs, ça fait écho à quelque chose qui nous drive au plus profond de nous et qui fait qu'on a envie de se dépasser, qu'on a envie de s'engager. Et en fait, c'est là où c'est super important d'avoir une vision produit et le fait de ne pas en avoir une fait qu'à un moment donné, on risque de se désengager puisqu'on ne sait pas pourquoi on y est. Mais restons plus pragmatiques. Avoir une vision produit, ça nous permet d'une part de gagner de l'argent puisque le but du jeu quand on est dans une entreprise, à part une ONG, c'est de gagner de l'argent. Donc le but, c'est de répondre à un besoin. Ça nous permet aussi, quand on est dans des contextes un peu plus difficiles, de redemander du budget. Ça permet aussi de rejouer un petit peu les cartes lorsque celles-ci ont déjà été jouées. Ça nous permet aussi également d'anticiper. Et ça nous permet aussi, comme je disais tout à l'heure, d'engager les parties prenantes. Parce que pour moi, un produit sans vision, et pour l'avoir vécu, ça me fait penser plus au Titanic qu'autre chose. C'est pour moi des produits qui n'ont pas été utilisés ou très peu utilisés. C'est des produits qui, au final, ont des fonctionnalités qui ne satisfont pas les utilisateurs. Et c'est aussi typiquement des produits qui n'ont pas apporté de bonne ambiance ou de bonne satisfaction de la part de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe elle-même n'est pas contente de son travail. Et ça, c'est très embêtant. Mais pour avoir une bonne vision, il faut savoir où on va. Donc, c'est pour ça qu'on a une vision long terme. Donc, c'est notre but, c'est notre objectif, notre idéal. C'est le futur que l'on souhaite créer. On va avoir l'objectif plutôt à moyen terme, qui va être l'objectif de la prochaine release, par exemple, et un objectif court terme. Ou là, ça va être un objectif de sprint, par exemple. Quand j'étais chez Renault Digital, j'avais la chance d'avoir une Scrum Master qui nous mettait tout le temps les objectifs du sprint, qui étaient alignés avec la vision. Donc, du coup, ça nous permettait toujours de savoir pourquoi, en fait, on faisait ce qu'on était en train de faire, en l'occurrence, et de l'afficher au board. Donc, pour aller vite sur cette partie constat, donc c'est bien le product owner qui détient la vision du produit. Ça nous permet d'avoir un but commun, donc d'atteindre cet objectif, cet idéal. Et la vision se construit au tout début. Donc, c'est pour ça que j'avais appelé cette session la framing phase, puisqu'en fait, en France, on fait beaucoup de cadrage. Alors, je ne sais pas si vous faites des cadrages, vous, de votre côté, mais moi, j'en ai fait pas mal. Et c'est vrai qu'on a tendance à la définir au tout début et à ne pas en reparler après. Et la mettre au placard, malheureusement, ce n'est pas ce que je vais vous préconiser aujourd'hui. Ce que je vais vous préconiser aujourd'hui, c'est plutôt justement de la faire vivre et de récolter des feedbacks dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir comprendre que la vision produit, ça impacte ensuite tout le delivery. C'est un peu comme quand vous achetez une voiture. Par exemple, si vous achetez une voiture, par exemple une voiture de course, une voiture familiale, vous avez un même produit, mais avec des visions complètement différentes, qui vont impacter les fonctionnalités, puis les user stories, puis au final l'équipe. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est de comprendre au final que la vision, ça a certes un impact pour votre cible, donc pouvoir satisfaire vos parties prenantes, mais aussi pour votre équipe, parce que l'idée, c'est qu'elle puisse au moins comprendre pourquoi elle le fait. D'où mon point sur ma reprise de Simon Sinek. Simon Sinek nous explique en fait qu'on a tendance à communiquer d'abord sur le what, donc sur des résultats visibles, et ensuite, éventuellement, ce n'est pas toujours le cas, sur le pourquoi. Le fait est que quand on construit sa vision produit, le plus important, c'est plutôt de se concentrer sur le pourquoi on le fait et de pouvoir répondre en fait à cette question au fur et à mesure. Et je vais prendre un exemple plus concret. Lorsque vous achetez un aspirateur, vous n'achetez pas un aspirateur pour un aspirateur. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous achetez un aspirateur pour avoir une maison propre. Et en fait, typiquement, c'est le why. C'est pour avoir la maison propre. Ensuite, dans le how, vous allez avoir un certain nombre de caractéristiques
de technologies qui vont être utilisées, donc un certain type d'aspirateur, si c'est pour avoir un petit aspirateur pour votre cuisine ou un aspirateur plus conséquent pour nettoyer tout le salon et les chambres, et enfin les résultats visibles. Dans un autre contexte, j'ai travaillé aussi chez Veolia. J'ai fait un stage chez Veolia Eau, il y a quelques années, et ils ont monté des cellules internes, donc des équivalents de start-up internes, ça se faisait beaucoup à ce moment-là, et ils ont créé ce qu'on appelle HomeFriend. HomeFriend, leur objectif, leur why profond, c'est d'être le meilleur service client possible pour les eaux, les utilities, etc. Ils utilisent des technologies, donc leur how, c'est des technologies big data, CRM, qui se concrétisent par une application mobile facile à utiliser, ergonomique et accessible à tout le monde. Et l'idée, effectivement, c'est toujours pouvoir communiquer, donc, d'une part sur le pourquoi, ensuite sur le comment, et ensuite, donc le comment, ça va être aussi, c'est les technologies, mais c'est aussi les pratiques que vous allez mettre en place, les pratiques méthodes. Puis ensuite, le what, donc les résultats que vous allez vouloir avoir au final. Donc en synthèse de Simon Sinek, toujours pouvoir avoir cette raison d'être de votre produit, cette croyance que vous allez avoir sur votre... Puis la croyance que vous allez avoir sur votre produit et enfin tous les résultats visibles que vous souhaitez escompter. Mais là-dessus, où je vais parler un peu plus longtemps, c'est sur la création de votre vision. Votre vision, elle se construit en fait souvent au début du cadrage et ensuite on n'entend plus parler, elle est mise dans le placard. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les évolutions ni du contexte, ni de la stratégie de l'entreprise qui peut évoluer, et encore moins de l'approche produit, c'est-à-dire de vraiment les feedbacks que peuvent vous faire vos développeurs quand vous êtes PO. Et c'est pour ça que j'ai trouvé une context map que je trouve super intéressante. Pour vous l'expliquer un peu brièvement, il y a une partie démographique qui vous permet de savoir si en gros vous êtes sur une cible qui est plutôt croissante ou plutôt stable. Donc par exemple, si on prend un produit qui est à destination des personnes âgées, on est plutôt sur un marché qui croît, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir tout l'aspect législatif. Donc là, je suis dans la banque en ce moment et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'ai la chance d'avoir des produits qui sont très orientés réglementaires. Tout ce qui va être parti économie, environnement. Donc là, savoir si votre économie est plutôt stable ou pas. Et bien entendu, les parties que je vais vraiment me focusser, c'est la partie compétition et la partie incertitude. Puisqu'on le verra ensuite dans les différents outils qu'on va voir ensemble, on va avoir une partie concurrent. Donc typiquement, on va comprendre ce que font les concurrents, quelles sont les solutions alternatives, qu'est-ce qu'ils proposent. Et ensuite, la partie incertitude, je suppose que vous avez peut-être rencontré des experts qui connaissaient tous leur marché, leurs produits sur le bout des doigts, qui avaient solution à tout parce qu'ils connaissaient depuis 25 ans le produit. L'idée là, c'est effectivement plutôt de sensibiliser les parties prenantes au fait qu'il y a toujours des choses qu'on ne sait pas, que ce soit sur notre marché, que ce soit sur notre produit. Je dirais même au final qu'il y a plus de choses en général qu'on ne sait pas que ce qu'on sait. Et typiquement, l'idée, c'est de pouvoir en avoir conscience et au moins se les noter. Non des moindres, la partie customer needs qui revient en fait quelque part à vos besoins clients, mais surtout identifier les pain points. Puisque ce que j'ai remarqué quand je construisais ma vision produit quand j'étais PO, c'était que les besoins clients n'étaient pas forcément très, très clairs, très explicites. Mais par contre, les pain points, eux, par contre, je les comprenais bien. Ça, ils me le faisaient bien parvenir. Donc du coup, je prenais la question dans l'autre sens. Et je me posais plus la question de savoir quels étaient leurs pain points, donc leurs points de douleur, qu'est-ce qui ne leur convenait pas, plutôt que me concentrer vraiment sur leurs besoins qui parfois eux-mêmes ne savent pas spécialement. Ensuite, il y a tout l'aspect technologie, donc là c'est de savoir identifier les prochaines technologies qui vont pouvoir impacter votre produit ou votre marché. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, au big data, etc. Mais toujours avoir conscience de ces éléments-là. Mais ça ne marche pas très bien si vous ne vous appuyez pas sur l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une bonne idée de votre contexte, c'est une bonne chose. Au moins, vous savez où vous êtes, dans quel environnement vous évoluez. Mais encore faut-il pouvoir s'appuyer sur l'entreprise, sa vision, sa stratégie. Et pour ce faire, il y a des enjeux en fait, à plusieurs niveaux. Il y a des enjeux en fait, internes, où en fait, j'ai remarqué que la plupart des entreprises étaient en CEO.
C'est-à-dire le marketing est de son côté, la finance de son côté, etc. Et le fait est que quand on construit un produit, on a besoin de tout le monde. Et il ne faut pas hésiter à aller voir les autres pour aller demander effectivement comment réaliser en fait leur partie, c'est-à-dire la partie financière, comment est-ce qu'on va calculer le business model, comment est-ce qu'on va à un moment donné s'assurer qu'on vend bien le produit avec la partie marketing, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir ne pas, entre guillemets, ne pas contribuer au CEO et se dépêcher d'aller voir les autres pour parler sur la vision de votre produit, sur ce que vous voulez faire pour pouvoir bénéficier de leur expérience, tout simplement. Pour cela, vous pouvez formaliser un certain nombre d'enjeux qui sont au niveau stratégique, donc en termes purement du contenu. Donc là, par exemple, vous allez aller voir le marketing pour savoir le type de contenu qui sera à publier sur votre application ou sur votre site web ou sur votre produit, ou tout ce qui va être au niveau de l'usage. Quels sont les usages qui sont à mettre en avant? On a aussi toute la partie technique. Donc là, c'est faire référence à toute la partie développement, dans la mesure où parfois on part tête baissée en n'ayant pris qu'en compte qu'un point de vue, donc que la partie commerciale ou que la partie financière, donc la partie retour sur investissement ou bénéfice, et on ne s'est pas posé les questions techniques. Donc on n'a pas pris en compte le paysage d'ordre beaucoup plus d'innovation technologique, si c'était une occasion de saisir une opportunité, ou si c'était aussi l'opportunité de pouvoir créer, de pouvoir innover en fait en interne. Donc pour synthétiser, l'idée c'est que pour caractériser donc votre vision, il faut déjà avoir un problème à résoudre, donc que vous retrouverez grâce aux pain points qu'on a vu dans la context map. On va définir aussi les différents besoins utilisateurs. Et enfin, on va avoir des KPI. Donc comme j'expliquais, vous appuyez sur les besoins et sur la stratégie globale de l'entreprise pour identifier ces différents KPI. Mais vous pouvez vous poser un certain nombre d'autres questions. Typiquement, l'idée, c'est de savoir s'il y a un problème spécifique que vous essayez de résoudre ou si vous essayez de viser large. Il y a aussi la partie savoir si vous essayez donc d'avoir un modèle économique différent de ce que vous faites d'habitude, etc. Il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est de se projeter. On verra ensemble que c'est l'objectif d'un des ateliers qui s'appelle Remember the Future, où l'idée, c'est de ne plus avoir de contraintes actuelles. Alors, c'est très difficile, en ce moment, je suis dans la banque, c'est très difficile de ne pas prendre en compte les contraintes réglementaires ou les contraintes organisationnelles, humaines, etc. Mais je vous assure que ça vaut le coup d'essayer de se dire, à un moment donné, dans le monde idéal, comment j'imaginerais mon produit? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il apporterait comme valeur? Et ça a pour but, effectivement, de faciliter la créativité. Et ça a pour but aussi, donc, de trouver des solutions techniques, puisqu'en fait, la vision nous permet, en fonction de la vision, vous allez peut-être choisir une option technique plus qu'une autre. En fait, selon la vision, vous allez avoir des choix à faire. Sauf que quand on monte ce genre d'atelier, et comme je le disais tout à l'heure, ça concerne beaucoup de personnes, et ça concerne donc à la fois la partie marketing, finance, l'équipe bien entendu, élargie. Mais la vraie question à se poser quand vous créez ce genre d'atelier, c'est plutôt qui est-ce que je n'invite pas? C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si je n'invite pas cette personne? Quel sera l'impact? Est-ce que en fait ces informations vont modifier ou peut-être faire pivoter le produit ou pas? Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des ateliers avec beaucoup de personnes et on sait très bien qu'après des ateliers avec un certain nombre critique, j'entends, hein, de personnes, devient compliqué à gérer. Donc, en synthèse, l'idée, c'est de pouvoir avoir une bonne idée de son contexte, de pouvoir le suivre, le voir s'évoluer, dans le sens où parfois on a des startups qui arrivent, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut prendre malheureusement des menaces sur le marché. Ensuite, on va avoir la partie produit. Donc, quelles sont les alternatives à votre produit actuel? Donc, les différentes solutions qui existent, qui sont utilisées par vos utilisateurs. Et enfin, vos différents enjeux donc liés à l'entreprise, puisque l'idée, c'est que votre produit est une réponse opérationnelle à la stratégie globale de l'entreprise.
Sauf que ça ne nous explique toujours pas qu'est-ce qu'une bonne vision produit. C'est, pour moi, en tout cas, une bonne vision produit, elle a ses caractéristiques. Elle est globale, elle est claire et évolutive, elle est concise et elle apporte du sens. Alors, je vais expliquer chacune de ces parties, ce que ça signifie. Je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais aux échecs, on a une vision globale du jeu. Et en fait, dans le jeu, on anticipe d'une part les coups de l'adversaire, mais aussi on a cette vision globale donc, du jeu pour pouvoir nous-mêmes jouer les coups qui nous arrangent. Pour la vision produit, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'on ait quelque chose de suffisamment global sur le marché qui nous intéresse pour pouvoir ensuite pivoter ou pas et prendre des choix qui nous avantageront pour le futur. Ça doit être simple. Je reconnais que ce n'est pas toujours évident parce que parfois on est sur des produits très techniques ou techniquement avec beaucoup de contraintes et beaucoup de complexité. Mais il faut réussir à rendre la chose la plus simple possible pour que quelqu'un qui ne connaisse pas en fait votre activité, pour quelqu'un qui n'ait pas de lien particulier avec votre activité, puisse le comprendre en qu'une seule phrase en fait. Se dire « je comprends l'idée, je comprends ce que vous voulez faire ». Donc, keep it simple, plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord. Mais enfin, l'avant-dernière partie, c'est le fait d'être droit au but. J'ai remarqué que, surtout quand moi j'étais PO, j'avais tendance à vouloir en dire beaucoup parce que j'adorais mon produit, j'étais convaincue de ce qu'il allait faire. Donc, j'étais toujours dans le détail. Et ce n'était pas forcément la meilleure des choses. En fait, il faut rester global, il faut être droit au but. C'est-à-dire qu'il faut éviter de rentrer trop dans le détail et garder cette image globale de votre produit. Et surtout, ça doit apporter du sens. Alors là, je parle vraiment d'un cas personnel, dans la mesure où j'ai été sur des visions produits qui, en soi, n'avaient pas forcément d'impact. Qui était plutôt lambda, je veux dire par là, c'était pas très inspirant, ça faisait pas de sens, donc typiquement en termes d'engagement, je l'étais absolument pas. Et ça a vraiment un impact sur votre produit et sur votre quotidien. Donc que vous soyez PO, dev ou même partie prenante dans un produit, une bonne vision produit, pour moi, elle apporte du sens aux différentes personnes, quelles qu'elles soient en fait. Ça éveille quelque chose chez nous qui se dit à un moment donné, ça vaut le coup et je veux le faire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous ces outils, mais c'est des outils que j'utilise. La Context Map, le Lean Canvas, le Product Vision Board, le Product Vision Board Extended, que j'aime bien parce qu'il du coup, il est un peu plus simple que le Lean Canvas. Quelques ateliers collaboratifs que j'ai réalisés en tout cas. Et j'ai beau essayer d'avoir fait tout ça, ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai fait autre chose. La Context Map, je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez intéressant parce que du coup, ça nous permet de se visualiser. En fait, avec une vision statement, donc c'est le fait d'avoir une seule phrase. Comme j'expliquais, on reste keep it simple, droit au but. Donc c'est une seule phrase qui décrit ce qu'on voudrait faire. Avec les différents thèmes associés, donc ce qui va nous permettre en fait de pouvoir concrétiser cette vision produit. Et à partir de ça, on va élaborer un chemin. Donc ce chemin, ce sont les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour pouvoir amener la vision produit? Il y a des éléments qui vont nous aider, donc qui vont être des plus. Et il y a des éléments, au contraire, qui vont nous challenger. C'est-à-dire qui vont être des défis à relever, puisque, par exemple, ils peuvent être des défis techniques, des défis organisationnels, des défis d'ordre plus humain. Le Lean Canvas, quant à lui, est le plus classique, mais qui, en soi, n'a pas forcément été toujours utilisé dans les entreprises dans lesquelles j'étais, malheureusement, puisqu'il demande beaucoup d'informations. Et qui dit, en fait, demande d'informations, dit d'aller voir des gens, et donc se retrouver encore dans cette problématique de CEO. Ce que je vous avais donc, du coup, proposé tout à l'heure et encouragé fortement, c'était d'aller voir, effectivement, les personnes des différents départements pour pouvoir remplir les différentes cases, puisque l'idée, c'est que ça tienne sur une slide PowerPoint, qu'importe, sur une page, et pas en tirer en fait plus de 10 lignes à chaque fois. C'est-à-dire que quand on parle du problème, on cite seulement les 3 gros problèmes qu'on a. Donc il faut être très synthétique. C'est un exercice difficile, mais par contre, ça en vaut le coup parce qu'en une seule page, on a toute la vue du produit.
On a la partie solution où là, l'idée, c'est effectivement de dégager les caractéristiques de votre produit, les KPI aussi qui vont vous permettre de mesurer le succès de votre produit pour savoir si vous avez atteint vos objectifs, l'aspect coût, l'aspect revenu. Donc là, on est plus dans le domaine financier. Donc les coûts de structure, les coûts fixes, les coûts variables. Et on va avoir tout l'aspect, bien entendu, relatif aux clients. Donc savoir quel est votre segment de clientèle, si vous adressez plutôt à une population plutôt qu'une autre, ce qui revient dans la contexte map à la partie démographique. La partie channel, ce qui est en fait les différents canaux, comment vous allez distribuer votre produit. Votre unfair advantage, qui est donc votre avantage concurrentiel par rapport aux autres. Donc qu'est-ce que vous faites mieux ou différent des autres. Et en soi, ensuite, la dernière, donc l'unique value proposition, c'est votre proposition de valeur unique. C'est ce qui va faire en soi que vous allez apporter de la valeur à vos utilisateurs. J'ai essayé l'elevator pitch aussi. J'ai essayé plein de choses dans ce contexte-là, mais je vous le raconterai quand je ferai le Rex sur ce local. L'idée, c'est effectivement qu'en seulement quelques phrases, on puisse exprimer donc, l'idéal de notre produit, le futur que l'on souhaite créer. C'est un exemple type, il y en a plein sur Internet, mais l'idée, c'est toujours un peu la même chose, c'est de pouvoir expliquer à quelqu'un dans l'ascenseur, un manager, un collègue, une partie prenante, ce que vous allez faire, ce que vous comptez faire pour votre produit. Et l'idée, c'est notamment de pouvoir expliquer pour qui on le fait, donc déjà donc, la partie client. Ensuite, d'essayer de résumer les besoins, ce qui n'est pas évident non plus, puisqu'en général, on n'a que quelques minutes dans l'ascenseur. Donc, il faut être très concis. L'idée, c'est de pouvoir aussi présenter le bénéfice de votre produit, donc la valeur de votre produit et la différence qu'il y a par rapport à ce qu'on fait actuellement. Et enfin, vous présenter votre produit en tant que tel, son nom, etc. J'ai essayé aussi le Product Vision Board, où le Product Vision Board de Robin Pischer est assez connu. Plus simple que Lean Canvas parce qu'il y a moins de rubriques en fait à compléter. Ça nous demande un peu moins d'aller à droite à gauche. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en tout cas, on retrouve les idées essentielles. Donc savoir quelle est notre cible, quels sont les besoins, quel est le produit, les caractéristiques produit et quels sont nos objectifs. Donc on revient toujours en fait aux mêmes notions qui sont de savoir où est-ce qu'on veut aller. Le Product Vision Board Extended, quant à lui, est un peu plus simple, encore une fois, que le Lean Canvas, puisqu'en fait, on retrouve l'aspect coût, l'aspect revenu. Mais ce qu'on ne trouvait pas, c'était l'aspect concurrent. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que dans les autres, en fait, on ne l'a pas. On reste assez focus sur notre vision, alors que l'idée, c'est de pouvoir avoir justement cette idée de ce que font les concurrents et de ce qu'ils apportent. La value statement, c'est justement cette phrase. J'ai essayé ça aussi, mais ça n'a toujours pas marché. Donc, cette phrase, l'idée, c'était de pouvoir la vendre, en tout cas, à mes parties prenantes. Et l'idée, c'est de pouvoir les convaincre en seulement une seule phrase maximum. Donc, pareil, vous en trouverez plein sur Internet, mais l'idée, c'est pareil, de pouvoir décrire votre produit, son besoin, qu'est-ce que ça apporte. Surtout, quel est l'élément de différenciation et typiquement, cette value statement, elle vous permet de la communiquer aussi bien au manager qu'à votre équipe de dev. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'un pavé de 10 pages pour expliquer ce qu'on veut faire. J'ai aussi utilisé des outils collaboratifs, des ateliers collaboratifs, pardon. Et là, pareil, je n'ai pas eu forcément l'effet escompté, puisque les personnes n'étaient pas forcément dans un état d'esprit à vouloir construire quelque chose sur l'instant T. C'est-à-dire que la Product Box, par exemple, c'est vous prenez une boîte de céréales, enfin une boîte quelconque, de chaussures par exemple aussi, et vous allez noter en fait tous les éléments qui vont décrire votre produit. Donc un slogan, une photo, une image, les prérequis qui vont être l'équivalent des fonctionnalités. Et ensuite, le but, c'est de le vendre en fait dans un linéaire. Donc, chaque personne va pouvoir ensuite aller le présenter et le vendre ensuite aux autres collaborateurs. Ensuite, on va avoir Remember the Future. Ou Remember the Future, c'est l'idée de pouvoir se projeter, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, que je fais souvent sans contrainte. La difficulté majeure, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas, en fait, quelque part, à enlever ces difficultés qu'ils ont au quotidien parce que, tout simplement, on a le nez dedans. Et ce n'est pas forcément la chose la plus simple
à réaliser. Là où je vais par contre passer un peu plus de temps, c'est sur un Rex que j'ai eu chez Solocal. Parce que comme je vous expliquais, j'ai essayé pas mal de choses pour communiquer ma vision produit auprès des équipes, auprès du manager, auprès des parties prenantes que j'avais. J'avais beau essayer de réaliser en fait une vision produit avec une seule phrase, un elevator pitch, etc. J'arrivais pas à les convaincre, j'arrivais juste pas à un moment donné expliquer ce que je comptais faire avec le produit. Donc je me suis retrouvée dans une situation où ni les développeurs me suivaient, j'étais PO à l'époque, hein. Donc ni les développeurs me suivaient parce qu'ils comprenaient pas pourquoi en fait je voulais le faire. Donc il y avait une forte réticence en fait à l'idée de s'engager dans le produit. Les managers en fait avaient d'autres priorités, donc quelque part j'étais pas du tout, j'étais un numéro sur une liste de to do en fait, hein, donc c'était pas évident. Et d'autre part, j'avais encore heureux, j'ai eu de la chance puisque j'ai eu un développeur qui croyait beaucoup dans mon produit, dans mon idée et dans ce que je voulais faire. Donc on s'est lancé dans un POC. Donc quand je dis un POC, c'est vraiment le proof of concept le plus simple et basique qui existe. L'idée, c'est comme fait Renault, comme fait PSA, c'est de pouvoir construire un modèle qui un jour sera peut-être vendu. C'est un peu le même principe pour le logiciel. Et donc on a essayé de faire ça, on s'est posé même pas 3 jours. On a fait les grandes fonctionnalités de mon produit, en fait, qui s'appelait une product factory. Donc l'idée, c'était de produire des produits en masse et personnalisés auprès d'une cible dans les médias. Et il s'avère que la première réaction que j'ai eue du manager, c'est pas « vous l'avez fait en sous-marin », parce que du coup, on l'a fait en sous-marin, c'est « mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ?» Bon, c'est pas grave. c'est juste qu'à un moment donné, on s'est pas forcément compris. Mais je pense que ce qui était intéressant de voir, c'est qu'à un moment donné, ça a suscité vraiment une attention particulière du management et des équipes qui ont enfin compris de quoi je voulais, ce que je voulais faire et là où je voulais les emmener. Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'en fait, avec ce POC, on a pu démarrer quelque chose. Donc en fait, je me suis lancée dans une boucle de feedback, dans le sens où on est parti de cette base-là, on est allé voir les clients, donc directement le directeur interne qui s'occupait de ce département, qui nous a fait part de ces feedbacks et on a pu s'améliorer. Et à partir de là, j'ai pu pivoter, j'ai pu aligner ma vision, j'ai pu faire quelque chose. Dans le sens où je ne critique pas les autres outils que je vous ai présentés, hein. Mais je dis juste qu'effectivement, ça ne marche pas tout le temps parce que les gens ne sont pas forcément à l'écoute, parce que proposer quelque chose qui quelque part, reste théorique, n'est pas visible. Je sais que les développeurs, ils avaient besoin de voir quelque chose, en fait, de pouvoir se projeter, en fait. Et juste être dans une idée globale, ça leur suffisait pas, en fait. Ils avaient besoin de ce fameux pourquoi. Ce fameux pourquoi, je leur demandais effectivement de faire sûrement quelque chose de difficile, puisque c'était un produit un peu complexe. Mais voilà, pour le retour d'expérience, si je peux vous aider là-dessus, c'est vraiment un super plus. Et comme je l'expliquais, en fait, j'ai pu ensuite avoir une boucle de feedback parce que quand on fait sa vision produit, c'est pas pour la mettre au placard, on la fait en framing phase, en phase de cadrage et ensuite on n'en parle plus. L'idée, c'est effectivement de bénéficier du feedback et de savoir à un moment donné si ça correspond ou pas aux besoins des utilisateurs. Donc ça revient un peu à ce qu'on a vu dans la keynote un peu ce matin où il a beaucoup aussi insisté sur le feedback. Je suis totalement en phase. Puisque typiquement c'est comme ça que j'ai pu développer mon produit ensuite en fonction des retours que j'ai eu du directeur sur le POC qu'on avait fait, bah, du coup j'ai pu me dire ah, ok, cette fonctionnalité là elle apporte pas spécialement de valeur, je pensais que c'était le cas, ok, je me réadapte, on se réadapte, l'équipe le comprend et surtout ça crée un engagement et tout le monde a envie de participer en fait. Et l'une des choses que j'avais pas forcément fait jusqu'alors, c'était le partager et communiquer la vision. C'est-à-dire que pourquoi ça marchait peut-être pas quand j'essayais de communiquer mes templates, c'est peut-être que juste en envoyant tout simplement le link canvas et en l'expliquant, ça marchait pas. Il faut insister. Il faut pas hésiter à recommencer, à recommuniquer sur ce que vous avez fait, donc que ce soit votre POC, votre link canvas,
le Product Vision Board Extending, quel que soit l'outil que vous choisissez, même si vous préférez une approche plus collaborative. L'idée, c'est effectivement de toujours communiquer cette vision produit. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les sprints, on a tendance à l'oublier. En fait, on devient un petit peu focus sur le détail, on est sur ce qu'on fait au quotidien. Et le fait est que le product owner a ce rôle de pouvoir avoir cette vision à la fois sur le détail, mais aussi beaucoup plus macro. Ce qui demande un exercice très complexe quand on est PO. Donc du coup, il y a une question qu'on m'avait posée quand j'avais fait au préalable cette conférence à Liège. C'est de savoir combien de temps en fait on met pour réaliser une vision produit. J'ai pas de réponse en fait exacte à vous donner parce qu'en fait d'une part ça dépend du type de produit, de la complexité de votre produit, ça dépend donc de sa nature, de ce qu'il fait, de ses caractéristiques et ça dépend de votre marché aussi puisque ça dépend si vous avez besoin de faire une étude de marché ou pas avant. Ça dépend si vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, faut comprendre le contexte, faut comprendre l'environnement de l'entreprise. Et comprendre la stratégie de l'entreprise. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir se focaliser sur ces aspects-là si tout simplement il y a besoin de faire une étude de marché ou un benchmark. Donc ça peut prendre un sprint jusqu'à plusieurs mois. Je n'ai pas de réponse toute faite à vous dire. Les erreurs que j'ai commises quand j'étais product owner, j'en ai listé quelques-unes quand même. J'espère que vous ne les ferez pas du coup. Quand je communiquais ma vision produit, je pense que mon lean canvas, du coup, était beaucoup trop dans le détail. Donc, du coup, je les ai juste perdus, en fait, en voulant bien faire. Je les ai perdus. J'ai utilisé des termes techniques. Alors, je pensais que c'était une bonne chose. Ça me permettait de mieux me faire comprendre, en l'occurrence, puisque tout le monde devait les connaître. On était dans l'entreprise, donc typiquement, sauf que ce n'était pas le cas. J'ai été très orientée solution, donc avec les développeurs, on était beaucoup dans le comment et pas assez dans le problème en lui-même. Les généralités, dans le sens où quand j'allais voir le manager et je lui disais « mais tu vas voir, ça va nous permettre de vendre plus de choses, c'est génial », ça ne l'a pas spécialement convaincu, donc c'était beaucoup trop généraliste. Il fallait donc des KPI vraiment avec, par exemple, « ça va nous permettre d'atteindre une satisfaction de plus de 2% d'ici la fin de l'année ». Ce genre de choses, des objectifs smart en l'occurrence. Très intéressant quand on veut pouvoir communiquer en fait sur le produit. Et enfin, pas être trop têtu, dans le sens où on travaille en équipe, on a cette capacité de pouvoir bénéficier du feedback des uns et des autres. Donc n'hésitez pas à bénéficier du feedback pour développer votre produit. En conclusion, du coup, votre vision a la bonne chance d'évoluer dans le futur. Donc, n'essayez pas juste de faire votre vision au début et de ne plus en parler après. L'idée, c'est effectivement de pouvoir la mettre à jour au fur et à mesure. C'est un moyen aussi d'éviter un certain nombre de risques, aussi bien financiers. Donc, comme j'expliquais au début de la conférence, ça permet de faire ce qu'on appelle le market fit. Donc, s'assurer que le produit trouve bien son marché. Ou qu'on répond bien à une demande, en tout cas. Puisque si on n'a pas de vision, on ne sait pas où on va. Et typiquement, si ça se trouve, on va nulle part et il n'y aura pas de besoin et le produit ne sera jamais utilisé. Donc ça, c'est pour la partie financière. Pour la partie plus humaine, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puisque quand on est sur des projets où on ne sait pas pourquoi on y est, ni à un moment donné savoir où on va, finalement, ce n'est pas motivant. Ça désengage énormément. Et je pense qu'à un moment donné, les meilleurs leaders, les meilleurs dans le secteur, tels que Apple ou autres, en fait, ils ont des visions du futur qui souhaitent créer et ils se donnent ensuite les moyens, donc dans une seconde étape, pour le faire. Mais déjà, ils ont déjà cette ambition-là. Et ensuite, il faut bien comprendre quel est l'impact de votre vision sur votre cible. Typiquement, l'idée, c'est de faire un produit avec une volonté de changer la vie de vos utilisateurs. Ou d'apporter de la valeur qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle, ou un pain point, par exemple, en ce moment, de ce que j'ai pu voir dans la banque, ils ont à saisir sur trois fichiers Excel différents, plus ensuite trois autres applications différentes, la même information, c'est un pain point. Donc typiquement, l'idée, c'est de savoir quel va être l'impact de votre solution sur votre produit.
Et là, je m'adresse un peu plus particulièrement au PO. C'est depuis quand vous n'avez pas mis à jour votre vision produit, puisque c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent. Voilà, si vous avez des questions ou des réponses, des questions, c'est moi qui ai les réponses, mais c'est des questions, en l'occurrence, je serais ravie de discuter avec vous. Des questions ? Moi, j'ai juste une question. Tu prévois combien de personnes pour le remainder du futur, en termes de personas ou même de gens ? Tu disais qu'il y a une taille critique, il ne faut pas trop dépasser. Bah ouais, enfin, si tu veux, le fait d'embarquer tout le monde, enfin ouais. Le marketing, la finance, etc. Moi, je dis toujours qu'une dizaine de personnes pour un atelier, c'est pas mal. Sinon, effectivement, ce n'est pas toujours évident. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui représente à chaque fois un département pour avoir un maximum de diversité. Merci. J'en prie. D'autres questions ? Dans ce que tu nous as présenté pour construire la vision d'un produit, est-ce qu'on a des moyens ou des outils qui peuvent être intéressants pour inclure vraiment le client final et pas le client pour lequel on travaille ? Pour ne pas rater le marché, je dirais. Oui, pour faire le market fit en question. Ouais. Pour inclure au maximum le client, déjà quand tu es en Scrum, tu as tout ce qui est démo, etc. Donc tu as ce rituel-là qui te permet donc déjà de récupérer le feedback, donc, ouais. Donc d'assurer effectivement que tu es bien sur la bonne voie en termes de vision. Et là, tu as plus le client que le client final, par exemple, dans certaines situations. Moi, je propose la technique de la porte. Là, tu sors de ton entreprise et tu vas sur le trottoir et tu vas faire un Gamba Walk. Ouais, okay. Il est là, en fait, il est là, on va le voir. Si tu fabriques des voitures, il y a plein de gens qui sont là, qui en utilisent, bah, va les voir. Normalement, il y a des commerciaux dans l'entreprise. Donc les commerciaux sont peut-être en contact direct avec le client. C'est un filtre supplémentaire, le commercial. C'est en plus c'est une partie que je ne vois jamais entre le producteur, c'est la relation avec le commercial, la relation avec le terrain, la relation avec. L'utilisateur final, ou la personne qui est en lien avec l'utilisateur final. Le producteur d'art, j'ai l'impression qu'il doit délivrer une vision des choses, tout ça, mais qu'il n'est jamais en contact avec la réalité. Donc c'est un peu ce qui me gêne dans les deux ateliers que j'ai eu pour l'instant. C'est ça, on parle de vision, on parle de marché, on parle ouais. De plein de trucs, mais on ne parle pas de ceux qui sont sur le terrain, qui sont en relation avec le client, ou même voir le client. Alors mais on l'intègre, mais. Quand on a des échanges avec les développeurs, des échanges avec tout le monde, sauf avec les gens qui sont sur le terrain. C'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais de l'entreprise. Je disais qu'il fallait avoir le contexte, l'environnement et l'entreprise. Et je parlais des CEO et effectivement du fait d'aller voir le plus de personnes. Donc ces personnes qui sont typiquement en contact avec le client. Donc ça exclut absolument personne en fait quelque part. Mais c'est juste qu'on ne le fait pas. Donc j'ai essayé effectivement de pouvoir insister sur le fait que l'idée c'était d'aller voir les personnes qui connaissaient qui pouvaient nous aider en tout cas à répondre aux problématiques qu'on a sur, sur les clients, sur les revenus, etc. Ok, je crois que du coup, il est temps de s'arrêter là. Donc, merci aux sponsors. Et ouais.